Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Pharmacopée. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette très intéressante. C'est une recette pour combattre les problèmes de rejet, les problèmes de manque d'affection. Cette recette peut vous aider ou une connaissance à vous parce que certaines personnes souffrent terriblement de problèmes de rejet ou de manque d'affection. Il est vrai que j'ai déjà partagé une recette de savon d'affection il y a quelques mois. Un savon très facile avec des ingrédients très faciles également pour combattre les problèmes ou le phénomène de rejet. Aujourd'hui, c'est un bain. Donc, on a besoin d'eau. C'est un bain qu'il faut faire. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est vous présenter les différents ingrédients qui rentrent dans la préparation de ce bain. Ce bain a pour but d'éliminer le problème de rejet. Les personnes qui souffrent de rejet partout où elles passent, elles ont toujours la sensation d'être détestées, d'être rejetées, de ne pas être appréciées. Pour faire ce bain contre les rejets, nous avons juste besoin de deux ingrédients. Voici une feuille que certains vont sans doute reconnaître. C'est la feuille de citronnier, le citron. Donc, il faut les feuilles de citron. Vous irez chercher ça frais. Ça, je l'ai cherché hier. Donc, les feuilles fraîches de citronnier, l'arbre qui produit du citron bio notamment. Donc, en dehors des feuilles de citronnier, vous avez besoin d'huile palmiste. Voilà l'huile palmiste. Voilà ce à quoi ça ressemble. C'est de couleur noirâtre. Et beaucoup de personnes connaissent cette huile très mystique, très utile dans les recettes spirituelles ou même dans les recettes thérapeutiques. Donc voilà les deux ingrédients qu'il faut pour préparer cette tisane. Alors, comment procéder? Vous avez juste besoin de mettre les feuilles dans l'eau. Donc, ce qu'il vous faut, c'est une quantité suffisante d'eau qui va vous servir à vous rincer après la douche la nuit. Vous mettez une quantité suffisante de feuilles dans une quantité d'eau. Je crois que je vais augmenter un peu l'eau. Donc voilà, ce que vous allez faire maintenant, c'est de porter la marmite au feu. Vous allez bouillir l'ensemble pendant quelques minutes. Maintenant, après ça, vous obtenez une tisane que vous allez filtrer. Je vous conseille de prendre une quantité d'eau suffisante qui va vous servir à vous rincer. Donc, en fonction de votre corpulence, vous devriez savoir la quantité d'eau qu'il vous faut. Une fois que vous avez bouilli l'ensemble, vous allez laisser refroidir. Lorsque vous laissez ça refroidir, après la douche de la nuit, votre dernière douche avec le savon habituel, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prendre cette eau pour vous rincer le corps. Vous allez vous rincer le corps avec cette eau, ou plutôt cette tisane. Une fois que vous avez rincé tout le corps avec cette tisane, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de prendre l'huile palmiste, cette huile de couleur noirâtre que vous allez passer sur tout le corps. En d'autres termes, vous massez le corps, c'est-à-dire tout le visage, de la tête jusqu'aux pieds, vous massez tout le corps avec l'huile palmiste, cette huile de couleur noirâtre. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est juste répéter cette opération pendant 3 nuits. Consécutive. Si tout va bien, vous allez réduire considérablement le problème de rejet ou ce phénomène de rejet dont vous êtes victime. Donc voilà, c'est tout, c'est simple. La recette d'aujourd'hui n'est pas du tout difficile. J'espère que vous avez apprécié la simplicité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour profiter de nouvelles recettes simples et faciles que je vais partager les jours à venir. Ici, vous avez ici le bitacola. Prochainement, je vais vous montrer comment préparer un savon retour à l'envoyeur avec ce fruit. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.